à tous. Bien contente de vous retrouver ce matin. Êtes-vous prêts? Oui? Alors on y va. Pour faire cette visière, rien de plus simple. Il vous faudra votre casquette, une feuille plastifiée d'un classeur, plastique épais, le biais, 2 fois 6 cm d'élastique pour attacher, un élastique très fin, et de 2 boutons, diamètre 1,5 ou 2 cm, comme vous voulez. Et c'est tout. On est parti. Plier en deux. Arrondir les angles. Je fais la démonstration sur le papier vu que le plastique n'est pas très visible sur la vidéo. Arrondissez bien les 4 angles. Mesurez le contour de votre feuille avec un biais et rajoutez par précaution 5 à 6 cm. Fixez le biais par une piquenervure et faites tout le tour. Prenez le temps pour poser votre biais car c'est tout ce que vous aurez à faire. Ne vous inquiétez pas, le plastique glisse très bien sur la machine. Aucun problème. Au niveau des arrondis, je vous conseille de faire point par point et de vous aider du bras de la machine. Allez-y vraiment tranquillement. Arrivé à l'extrémité, vous allez bien sûr avoir de l'excédent. Vous allez couper 2 cm, piquer par-dessus et finaliser par un point d'arrêt. Votre feuille prête, enfilez votre aiguille, le fil double, faites un nœud et un double nœud. Pliez votre élastique en deux, essayez de les attacher par 2 petits points de couture. Vous en mettez un là et un de l'autre côté. Fixez votre élastique sur le biais par plusieurs points de couture. N'hésitez pas à en faire plusieurs. Et positionnez la boucle vers l'extérieur. Finalisez par entrer votre aiguille dans la boucle plusieurs fois. Vous serrez et vous coupez votre fil. Vous aurez plus qu'à faire la même chose pour l'autre extrémité. Positionnez votre visière sur votre casquette. Repérez les arrivées de l'élastique, épinglez pour être sûr, marquez celle-ci par une épingle et vous n'aurez plus qu'à venir y coudre votre bouton. Et voilà, votre visière est prête. Je vous dis à bientôt. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas au passage un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous.